Corté, le vignoble d'Antoine. Ici, tout s'accélère. Livraison, ça a recommencé. Espérons que maintenant tout se passe bien. Avec la réouverture des bars et des restaurants, les livraisons de vin ont repris. De quoi relancer très légèrement son activité. On attend de livrer les bars. Beaucoup de préparation, beaucoup de mise en ordre, parce qu'il faut quand même faire un peu de place maintenant, parce que septembre va arriver vite. Et on n'a toujours pas de restaurant qui s'affole. Sur les sanguinaires, cette semaine, c'est l'effervescence. La vie a repris son cours. Depuis mardi, Philippe a enfin ouvert son établissement pour le plus grand plaisir des habitués. On a fait venir le grand talent Paul Manchine qui va enlever aussi le côté anxiogène, parce qu'à un moment, il faut apprendre à vivre aussi avec le virus. On a été traumatisé par ce problème-là. Et les gens qui arrivent à la plage, les gens qui arrivent dans les paillotes, il faut sortir un peu de la psychose de ce virus. C'est pour ça qu'exceptionnellement, on a mis un peu de musique aujourd'hui pour montrer que la vie d'été va redémarrer. Chez Santine, à Bonifacio, on tient le cap et les nouvelles sont bonnes. Mise en place, réservation, transport, tout semble avancer dans le bon sens. Cette semaine, on assiste à une vraie reprise des transports, donc on est vraiment content. Là, la saison semble lancée. Les week-ends de juin sont complétés avec les Corses qui viennent passer quelques jours à Bonifacio. On n'a plus de contraintes au niveau des transports. Il y a eu l'annulation de ce décret, donc vraiment, on est positif. On devrait pouvoir ouvrir notre spa début juillet. Donc vraiment, on a l'impression que la saison est lancée. Chez Marianne, on alterne entre vente et désinfection du magasin. La reprise est timide, alors pour donner un coup de fouet à son activité, elle cherche à innover. J'essaie de réfléchir à de nouvelles animations à faire dans la boutique, puisque avant la crise du Covid, j'organisais par exemple un samedi goûter une fois par mois, où les clientes, les enfants pouvaient partager un moment convivial, regarder nos collections et en même temps déguster des bonnes choses à manger, à boire. Ça n'est plus possible, évidemment, à cause des mesures sanitaires. Donc je suis en train de réfléchir à plein d'autres animations qu'on pourrait mettre en place, tout en gardant les distances de sécurité et les règles sanitaires. À Pigne, les semaines passent et se ressemblent. Virginie continue de produire, de confectionner. Mais du côté de notre créatrice, les ventes, elles, sont toujours à l'arrêt. Aujourd'hui, dans mon atelier, les créations ne manquent pas. Mais les touristes, oui. Donc, il n'y a personne dans les rues, voire peu, que ce soit à Pigna ou à Calvi. En attendant, la mise en place de nos ateliers partagés à Calvi prend forme. Mettre en commun nos forces, c'est vraiment une chance dans la conjoncture actuelle. Heureusement aussi, il y a le fonds de solidarité. Mais nous, ce que nous voulons, c'est travailler. Et ce n'est pas l'hiver prochain que nous pourrons gagner notre vie. Après 4 semaines de déconfinement, oui, la reprise est effective, mais son évolution varie au gré des activités de nos 5 personnages. Si elle semble plus porteuse d'espoir chez Philippe et Santine, pour autant, Antoine, Marianne et Virginie veulent croire en des jours meilleurs. À Bastia, Ajaccio, Bonifacio, Calvi, Corté et ailleurs, tout le monde espère voir se dessiner un nouvel horizon.